Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la météorite. Donc il y aurait des nouvelles hypothèses à propos de cette météorite et en fait, ben regardez, je vous mets à l'écran tout simplement un commentaire d'une personne qui s'appelle L'Insemblable et en fait elle dit vous êtes tous co, donc je pense qu'elle a voulu dire vous êtes tous cons. La météorite va atterrir à Lucky Lidl et du coup il y aura le mode sauver le monde gratuit. Donc après, j'ai regardé s'il y avait un deuxième commentaire. Et oui, il y a un deuxième commentaire qui parle de ça. Tilted ne sera pas écrasé. Donc, je vous mets le commentaire à l'écran. De Hansi fait des vidéos. Donc, il dit que Tilted ne sera pas écrasé. Ça sera Lucky Landing. Ils ont mis pour le nouvel an chinois. Ils vont détruire car c'est fini. GameXTrace l'a dit. Allez voir la vidéo. Alors, il y a Blaster qui répond. Fais des vidéos, mec. GameXTrace, c'est pas une source fiable. Donc, bien sûr que... Blaster, t'as raison, personne n'est une source fiable, tout simplement parce que ce sera Epic Games qui aura le dernier mode. Donc peu importe qu'un YouTuber dise quelque chose ou pas, qu'il soit fiable ou pas, la réelle source, la réelle fiabilité, ce sera Epic Games qui la donnera. Qui officialisera tout ça en disant, en publiant des trucs, tout simplement. Alors, la théorie que GameXTrace a dit, donc j'ai été voir sa vidéo, et franchement, elle tient la route. Bon, après, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais voilà, ça tient un peu la route quand même. Donc, il dit tout simplement qu'un abonné est venu sur son live et en fait, lui a dit que Lucky Lidl était tout simplement une ville qui a été créée pour le nouvel an chinois. Et effectivement, c'est possible. Bon, moi, même si moi, je me souviens pas qu'ils ont dit que c'était pour le nouvel an chinois, moi, ce que je me souviens, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait... des petits tours pour le nouvel an chinois et pas toute une ville. Bon, bref, c'est possible qu'elle soit sortie pour le nouvel an chinois. Alors pourquoi elle n'a pas été détruite pour comme ils avaient fait avec les petits... je sais pas comment ça s'appelle. C'était des trucs où tu avais un coffre en haut, peut-être... Il y avait même trois coffres, c'était des lieux chinois qu'ils avaient rajouté, des petits monuments comme ça, chinois qu'ils avaient rajouté. Et justement, ben... Attendez, il y a un type près de moi là. Et justement, ces petites tours chinoises, ben en fait, elles ont été enlevées quand le nouvel an chinois a été terminé, tout simplement. Ok, c'est bon. Donc voilà, il disait que Lucky Lidl serait détruite pour le nouvel an chinois. Mais bon, moi, je suis pas trop d'accord parce que c'est plus le nouvel an chinois, donc voilà, c'est passé. Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que tout simplement, ben dans Lucky Lidl, ben ça peut regardez, là, il y a une prison dans la map, il y a un truc d'automate, il y a un camp de gitans. Et voilà, ils ont rajouté un petit côté chinois, parce qu'il y a des Chinois qui jouent aussi. Donc, pourquoi pas rajouter une petite ville chinoise qui fera plaisir à la communauté chinoise, tout simplement. Moi, je trouve qu'ils ne vont pas du tout détruire cette ville. Mais après, il a dit, l'abonné, il a dit, que en fait, la météorite, elle se dirigeait tout le temps vers Lucky Lidl. Et quand tu regardes la map, ben en fait, quand tu regardes la météorite, elle se dirige vers la droite. Et qu'est-ce qu'il y a à droite? Eh bien, il y a Lucky Lidl qui se trouve juste là-bas. Donc, cette théorie est encore un peu plus fortifiée, donc un peu plus probable. Donc ça, on verra bien parce que faut savoir qu'apparemment, la météorite, eh bien, elle est là depuis le début du jeu. Et elle avance à chaque mise à jour. Donc, la personne qui a mis le premier commentaire et qui a dit... que la météorite allait atterrir et allait apporter le mode sauver le monde gratuitement, ça, je trouve que c'est totalement possible. Parce que si la météorite est là depuis le début, apparemment, eh ben, chaque mise à jour, elle grandit petit à petit. Et quand elle va tomber par terre, ben, ça fera appel à une nouvelle saison, je pense, la saison 4, qui sera sur le thème des aliens. Quand la météorite va exploser, ben, tout simplement, il y aura des aliens, donc des zombies et tout ça. Et en fait, ben, il va falloir sauver le monde, donc tout le monde va devoir aller sauver le monde. Et c'est pour ça que il y aura le mode sauver le monde gratuitement, tout simplement, ben, pour sauver Fortnite. Donc je trouve que cette théorie est beaucoup plus plausible, mais je ne pense pas que ça va s'écraser sur Lucky Lidl. Après, c'est possible que ça s'écrase sur Lucky Lidl, mais je pense vraiment que ça va s'écraser sur Tilted ou peut-être sur toute la map entière. Donc moi, je préférerais que ce soit sur toute la map entière que sur Tilted. Après, GameXTrace, il a dit aussi que, bien sûr, je mettrai la chaîne de GameXTrace en description si jamais vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Donc GameXTrace a dit qu'ils n'allaient pas enlever Tilted Tower comme ça. Donc, que la météorite serait là justement pour donner un contexte, pour dire voilà, la météorite est arrivée. Elle a détruit Tilted Tower, nous sommes désolés,
mais voilà, Tell Tale Tower a été détruit, jusqu'à nouvel ordre. Ça passe plus crème que dire, voilà, Tell Tale Tower a été supprimé. Donc il viendrait dire, inventer une histoire avec une météorite pour justement nous passer la pilule plus facilement en fait. Pour que ça passe scrème, quoi, tout simplement. Donc après cette théorie que GameX13 a dit, c'est vrai que c'est une bonne théorie, parce que ça pourrait faire un mauvais buzz s'ils détruisent Tilted, car tous les bons joueurs vont là-bas, et c'est vraiment un lieu où voilà, il y a de la compétition. Moi je kiffe aller à Tilted justement pour faire un maximum de kills, pour que mes gameplays soient beaucoup plus appréciables. Donc voilà, je voulais juste un peu vous parler de cette nouvelle théorie. Maintenant que je vais essayer de finir la game, essayer de faire un petit top 1. Je vais vous montrer si j'y arrive, bah, que j'ai réussi le top 1. Oh putain, je l'ai touché. Bim! Voilà. Et ouais mon pote. En tous les cas, peu importe où la météorite va s'écraser, moi j'ai la hype de ouf et j'attends que ça. Donc j'espère que ça arrivera bien assez vite. Donc bien sûr, j'ai fait des vidéos précédemment sur ma chaîne YouTube parlant justement de Tilted Tower, enfin de la météorite. Je les mettrai en description, n'hésitez surtout pas à aller les voir si ce sujet justement vous intéresse. J'ai récolté un maximum d'informations sur le net justement pour vous faire un maximum d'informations sur ce sujet. Donc j'en ai fait deux vidéos à propos de la météorite, donc je les mettrai en description, n'hésitez surtout pas à aller la voir parce que je trouve qu'elles sont quand même bien travaillées et bien complètes. En plus je vous ai mis un bon gameplay derrière à chaque fois. Là c'est juste que j'avais pas spécialement de bon gameplay, enfin si j'ai des bons gameplays à vous faire tourner, mais là je voulais, je sais pas, je voulais vous montrer en même temps que jouer et je voulais vous parler tranquillement en même temps en faisant une petite game solo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et dites-moi si vous aimez bien que je fasse des commentaires en même temps que jouer un peu à la Sky Rose. Hein. Bon après, on n'est pas aussi bon que lui. Putain, je me suis fait niquer en plus par derrière quoi. Bande d'enculés. Ça, tu vois, ça c'est parce que j'ai loupé ma balle de M1. Je lui ai pas mis dans la tête, j'aurais dû prendre un petit peu plus de temps pour viser, mais voilà, j'ai voulu être trop pressé. Et je me suis fait niquer par un Bambi. Non, ça va, c'est pas un Bambi, il en a quand même tué 4. Donc voilà, on va dire qu'il méritait de me tuer. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Attendez, on va voir s'il va se faire tuer. Ah ouais, il s'est fait tuer, là, tué mon kill, cet enculé. Oh putain, il donnait une potion du brave, sérieux? Non! Il donne pas une potion du brave là. Attends, moi j'ai envie de voir s'il va prendre la potion du brave. Mais je crois qu'il y en a une, hein. J'ai pas rêvé. Vas-y, monte-moi le distributeur là, au milieu de stuff là. Oh mon pote, il est en pleine. Tu vas voir, il va se faire bouffer une balle de snipe, il va rien comprendre le type. Il y a la zone qui arrive. Regarde vite dans le distributeur là, prends pas la tête. Vas-y, monte-moi le distributeur, allez vite. Donc là, c'est un shotgun. Shotgun. Il y a une popo du brave, mon frère. Une popo du brave contre 500, je sais pas quoi. C'est incroyable, ça. Incroyable. Il va pas me dire que t'as pas 500 de matériaux. T'as le type, il a pas compris à quoi ça servait les distributeurs ou quoi. Enfin bref, Lich96, je te souhaite de faire un top 1. Je te souhaite bonne chance. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao! Peace.